So my name is Tanya Emerson, and I am the Biopharma coordinator for Western Central Africa. So, bonjour, désolé. Mon nom c'est Tanya Emerson et je suis la coordonnatrice de Biopharma pour la région de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc là, je vais faire une présentation rapide de ce qu'est Biopharma avant de passer à Jean-Paul pour qu'il puisse présenter le fonds d'action en tant que tel. Donc, qu'est-ce que c'est que Biopharma? Biopharma, c'est un programme, c'est une initiative des pays de l'Afrique, de la Caraïbe et des Pacifiques, donc le groupe d'État ACP, qui est financé sur le 11e fonds FED de l'Union européenne. Donc, Biopharma a deux partenaires d'implémentation. Il s'agit premièrement de l'UICN, de l'Union internationale pour la conservation de la nature, et par le Centre commun de recherche, GRC, de l'Union européenne, qui est basé en Italie. Donc, Biopharma en est à sa seconde phase, donc qui va de 2017 à 2023. Et l'objectif principal de cette seconde phase est de contribuer à l'amélioration de la conservation à long terme et de l'utilisation durable de la biodiversité et des ressources naturelles dans les aires protégées et dans les communautés alentours à travers le meilleur suivi et l'information, le développement de capacités, ainsi que la gestion et la gouvernance des aires protégées et de la biodiversité. Donc, comme je l'ai dit tantôt, Biopharma est mise en œuvre dans 79 pays ACP, donc divisé en 4 régions. Il y a les Caraïbes, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est, et les Pacifiques. Ça fait un total de 79 pays, plus de 3 millions de personnes et plus de 9 000 aires protégées terrestres et marines. Donc, Biopharma est basé sur 3 grands piliers. Le premier pilier, qui est un peu le socle, ce sont les observatoires régionaux qui sont un peu le réceptacle de toute la gestion des données, des différentes bases de données qui est alimentée par des bases de données internationales ainsi que des bases de données régionales et locales. Ensuite, il y a le système d'information de référence qui permet justement de faire le lien avec ces observatoires régionaux et de gérer les flux d'informations qui circulent à travers les différents partenaires qui sont dans les différentes régions. Donc, une chose importante, c'est qu'il y a le système d'information de référence globale, mais il y a également le système d'information de référence là au niveau des observatoires régionaux. Et finalement, le troisième pilier, c'est le fonds d'action dont nous allons parler en détail ultérieurement, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais avant de passer au point suivant, il est important de noter que à travers les trois piliers de Biopharma, une chose est extrêmement importante, c'est le renforcement de capacités. Donc, à travers les observatoires, à travers le système d'information de référence, à travers le fonds d'action, nous mettons beaucoup l'emphase sur le renforcement des capacités de différents groupes cibles, que ce soit les acteurs nationaux, que ce soit les conservateurs, que ce soit les personnes, les institutions qui accompagnent la gestion de la biodiversité et des aires protégées dans les différents pays. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de primordial pour nous à travers le projet. Donc, la logique d'intervention de Biopharma, c'est quoi? Tout d'abord, il y a les aires protégées dans lesquelles nous constatons forcément qu'il y a certains problèmes de gestion. Donc, Biopharma vient proposer une stratégie pour faire face à ces difficultés-là, à ces défis auxquels nous faisons face. Donc, qu'est-ce que Biopharma propose? Premièrement, c'est les observatoires régionaux, appelés également Regional Resource Hub dans certaines zones, dans certaines régions. Ces observatoires abritent le système d'information de référence régionale dont je parlais tantôt et proposent différents outils d'évaluation pour permettre d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure analyse de ce qui se passe dans les aires protégées, dans une région bien spécifique, et ensuite proposer des stratégies de renforcement de capacité. Maintenant, suite à cette proposition de stratégie de renforcement de capacité, il y a le fonds d'action qui viendra concrétiser
tout ce que nous avons vu, c'est-à-dire en termes de gestion de données, en termes de gestion d'informations, en termes d'appui sur le terrain, en termes de renforcement d'infrastructures. Donc, le fonds d'action est vraiment là pour permettre de faire atterrir l'ensemble des propositions qui ont été faites à travers les observatoires. Et je rappelle que les observatoires, ce n'est pas seulement observatoires de Biopama, c'est des observatoires régionaux, donc qui sont habités par des institutions régionales et qui sont gérés également par ces institutions avec l'appui de Biopama pour permettre aux différents pays des régions de mieux gérer leurs aires protégées à la fois au niveau régional et au niveau national. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort différents produits de connaissances, tels que des rapports, des plans, des études, mais également des campagnes de plaidoyer, des dialogues, des policy dialogues, qu'on appelle ça, et qui vont permettre d'atteindre des résultats et plus tard des impacts quand on agrège tous les résultats qu'on aura dans les différentes régions, dans les landscapes. Nous pourrons ensuite avoir des résultats sur le long terme et surtout qu'ils soient durables bien au-delà de la durée de Biopama que nous avons vue, qui est de 2017 à 2023. Donc, voilà, en gros, c'est ça la logique d'intervention de Biopama. Donc, je vais passer la parole à Jean-Paul pour qu'il puisse continuer avec des explications plus détaillées sur le fonds d'action. Merci. Jean-Paul? Est-ce que vous pouvez fermer votre diaporama? Parce que je ne peux pas partager. One second. I stopped sharing for you, Tanya. So. Thanks. Thank you. No problem. Okay. Merci beaucoup, Sue. Merci, Tanya. J'espère que tout le monde peut voir ma présentation. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre participation dans le webinaire d'aujourd'hui sur les fonds d'action Biopama et les subventions moyennes. Je m'appelle Jean-Paul Mungane, je suis agent de projet du fonds d'action Biopama et je suis basé au Rwanda. Et dans cette présentation, on va parler du fonds d'action Biopama en termes des objectifs, de budget et des types de subventions. Jean-Paul, we can't see your screen yet, your presentation. Oh, sorry. Je vais essayer de partager encore. J'espère que vous pouvez voir maintenant ma présentation. Comme je disais, dans cette présentation, je vais parler du fonds d'action Biopama en termes d'objectifs, budget, type de subvention. Et je vais me focaliser surtout sur les subventions moyennes. Là, je vais parler des critères d'éligibilité pour les actions. Ici, les actions, ce sont des projets en termes de candidats ou des organisations qui sont intéressées à postuler pour au fonds d'action Biopama. J'ai parlé aussi des critères d'éligibilité en termes d'activité, de budget. Et je vous donnerai un bref aperçu des considérations
des systèmes de gestion environnementale et sociale de l'ICN. Et je vais aussi parler des procédures de demande de subvention moyenne. Et je vais aussi vous présenter réponse aux questions fréquentes qu'on a eues pour les fonds d'action BIPAMA et les subventions moyennes. Ok, d'abord, l'objectif principal de fonds d'action BIPAMA est d'améliorer la conservation de la biodiversité dans les zones prioritaires en finançant les actions concrètes sur le terrain qui traitent des actions prioritaires en matière de gestion et de gouvernance qui sont identifiées par des outils de diagnostic que je vais expliquer plus tard. Les objectifs spécifiques du fonds d'action BIPAMA, numéro un est d'améliorer la gestion et la gouvernance des zones prioritaires, par exemple à travers le renforcement des infrastructures ou à travers la fourniture des équipements pour les patrouilles. Lutte contre le braconnage, le développement des capacités du personnel chargé de gestion de ces aires protégées. Numéro 2 est de renforcer le cadre juridique qui est requis pour assurer une conservation efficace de la biodiversité. Le dernier objectif est de soutenir les initiatives des communautés locales qui sont destinés à renforcer leurs moyens de subsistance tout en contribuant efficacement à la gestion des aires protégées et des aires conservées. En termes de budget, les fonds d'action BIPAMA ont un budget global de 21 millions d'euros qui sont alloués aux 6 régions que Tania a parlé précédemment. Donc, chaque région a un maximum, un budget maximal de 3 millions. Et il y a aussi 3 millions d'euros en réserve pour compléter les régions qui ont épuisé, qui auraient épuisé les fonds, mais qui ont de bons projets à financer. Le fonds d'action BIPAMA a trois types de subventions. On a les subventions qu'on appelle les subventions rapides et techniques, les petites subventions et les subventions moyennes. Une subvention rapide et technique est une subvention d'un montant allant jusqu'à 5 000 euros pour une durée maximale de 12 mois. Qui vont être mises en œuvre ou bien exécutées localement, au niveau local. Les petites subventions sont des subventions d'un montant entre 5 000 et 100 000 euros pour une durée maximale entre 12 mois, une année et 2 ans, qui visent les projets au niveau local ou au niveau national. Et on a aussi les subventions moyennes qui ont un budget entre 100 000 euros et 400 000 euros pour des projets de 36 mois qui visent les projets au niveau national et aussi au niveau régional. Alors, quels sont les critères pour une proposition acceptable dans le cadre du fonds d'action BIPAMA? Je vais vous donner juste quelques considérations qui sont essentielles. Donc, la durée maximale pour un projet dans le cadre du fonds d'action BIPAMA, la durée maximale est de 36 mois. Et les sites, les projets doivent être exécutés dans les zones prioritaires. Ces zones prioritaires incluent les zones clés pour la conservation de la biodiversité et les autres types de aires protégées.
dont leur importance est justifiée par les outils de diagnostic. Elle est la domaine d'intervention pour le projet dans le cadre du Fonds d'action BioPharma. Ils doivent traiter les priorités en termes de gestion et en termes de gouvernance des aires protégées et des aires conservées. Comme je disais, les priorités doivent être identifiées à travers les outils de diagnostic. Ces outils de diagnostic incluent les outils d'évaluation de la gestion et de la gouvernance, notamment l'IMED, Integrated Management Effectiveness Tracking Tool, les PAMED aussi, et les documents stratégiques. Comme par exemple les plans de gestion des aires protégées ou bien des stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité qu'on appelle les SPANB. Et aussi les études qui ont été validées par les organismes de gestion des aires protégées et conservées. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, les priorités pour les projets qui sont proposés doivent être identifiés à travers les outils de diagnostic. Il faut que le projet soit en accord avec les objectifs de BioPharma. Ils doivent démontrer les résultats et les impacts qui sont concrets et doivent se conformer au système de gestion environnementale et sociale de l'IUCN que je vais parler. Ces projets permettront aussi le partage de données et d'informations du projet avec les autres volets du programme BioPharma, comme les observatoires régionaux et le système d'information du BioPharma. Évidemment, les projets doivent être rentables et durables et ils doivent avoir une application en pratique sur le terrain et doivent être limité dans le temps. Au niveau des activités, voici quelques exemples des activités qui sont éligibles. Toute activité liée à la planification et gestion des aires protégées, par exemple la collecte de données de base, les activités de monitoring, notamment à travers l'IMED, les évaluations sociales et de gouvernance, élaboration ou mise à jour des plans de gestion des aires protégées et des zones conservées, la création d'infrastructures de gestion, les patrouilles, les activités de patrouille et les opérations anti-braconnage, la gestion des visiteurs et l'obtention fourniture des équipements et les matériaux qui sont essentiels pour la gestion des aires protégées. Tout ça, ce sont des exemples des activités qui sont éligibles au fonds d'action BioPharma. Aussi, les activités qui sont liées au mécanisme de gouvernance et impliquant les populations locales, qui vivent dans et aux alentours des aires protégées et des aires conservées. Aussi les activités qui sont liées à la gestion équitable des zones prioritaires, activités liées à l'application de la loi, en particulier pour contrôler les trafics d'espèces sauvages, renforcement des capacités en matière d'application de la loi pour les responsables
ou les gardes des aires protégées, les systèmes de renseignement liés à la lutte contre le braconnage et le trafic d'espèces sauvages, et aussi les activités qui faciliteront le dialogue avec les communautés locales. Aussi, au niveau des activités, les activités qui sont liées au renforcement des cadres institutionnels et juridiques, la conservation de la biodiversité et le développement durable. Par exemple, les activités liées à la révision du cadre juridique, de développement des capacités, de fourniture de matériel de formation et de conseils techniques pour le renforcement des cadres institutionnels et juridiques. Aussi, les activités qui sont liées à l'atténuation des menaces dans les zones prioritaires, liées aux stratégies d'atténuation des effets du changement climatique, et aussi les activités qui contribueront aux moyens de subsistance durable des communautés locales, des populations vulnérables et des communautés autochtones qui vivent dans les zones prioritaires. Juste résumer ce que je viens de dire, la priorité sera donnée aux activités qui ont des avantages corrélatifs au-delà de la conservation. Par exemple, qui auront aussi des avantages sur le bien-être humain ou l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Les priorités spécifiques à chaque pays sont disponibles sur le portail, sur le site web de Biopama. Donc, sur le site de Biopama, il y a les cartes. Donc, si vous cliquez sur la carte, vous allez trouver les priorités qui sont spécifiques à chaque pays. Et je pense qu'il est aussi très important aussi de souligner les activités qui ne sont pas admissibles pour le fonds d'action Biopama. Donc, toute activité qui sont liées à l'achat de terres ou à la réinstallation involontaire des personnes ne seront pas éligibles pour le fonds d'action Biopama. Les activités qui sur le terrain ou le territoire des peuples autochtones sans leur consentement, les activités sur des terres qui sont contestées par la communauté locale ou les peuples autochtones, les activités qui affectent négativement les ressources culturelles physiques, enlèvement ou modification de toutes ressources culturelles physiques, les activités affectant de manière significative les groupes qui sont vulnérables ou les peuples autochtones, les activités comprenant l'achat, la manipulation, le stockage et l'utilisation des pesticides qui sont illégaux. Tout ça, ce sont des activités qui ne sont pas éligibles dans le cadre du fonds d'action Biopama. Et aussi, il y a d'autres éléments qui sont vraiment très importants à prendre en considération lors de l'élaboration d'un projet dans le cadre du fonds d'action. Notamment, il y a les considérations du système de gestion environnementale et sociale de l'IUCN. Il y a l'aspect, donc comme je viens de le dire, l'aspect du système de gestion environnementale et sociale dans les propositions de projets dans le cadre du fonds d'action Biopama est très essentiel.
les propositions. Les propositions ne seront pas seulement évaluées sur base de leur qualité et technique, mais elles seront aussi évaluées sur base de leur potentiel ou pour répondre aux impacts environnementaux et sociaux. Ou aussi leur potentiel de favoriser les meilleures pratiques à cet égard. Donc, les candidats, les demandeurs pour le fonds d'action BioPharma, ils sont vivement invités à lire le manuel SGS du fonds d'action BioPharma avant d'élaborer et de soumettre leur projet. Ça, pour moi, c'est très important. Aussi, pour vous dire que ces considérations SGS de l'UICN sont guidées par 8 principes et 4 normes au standard qui sont liés au peuple autochtone, à la biodiversité et à l'utilisation durable des ressources naturelles. Et à l'accès aux ressources naturelles et qui sont liées aussi à l'héritage culturel. Les détails sont dans le manuel qui est aussi disponible sur le site web de BioPharma d'Action. Donc, comme je viens de le dire, les propositions seront examinées pour leur éventuel impact environnemental et social. Et ça, cela, cet examen cela a fait sur base des informations qui seront fournies par les candidats dans les questionnaires SGS, qui fait partie aussi de l'application pour les fonds. Et les éléments suivants seront vérifiés. Donc, on va vérifier si les parties prenantes ont été impliquées au cours de l'élaboration du projet, en particulier les femmes. On va voir si les femmes ou bien les autres membres du parti prenante, s'ils ont pu soulever des préoccupations. Et on va aussi examiner s'il y a des normes SGS qui ont été déclenchées par des activités proposées et autres impacts sociaux et environnementaux. Il y a aussi les autres considérations SGS, comme par exemple la vulnérabilité des écosystèmes et la vulnérabilité des communautés aussi. Ça, c'est dans le cas où les effets du changement climatique ne sont pas correctement pris en compte lors de l'élaboration du projet. On va grouper tous les risques dans les différentes catégories et aussi identifier les mesures à prendre pour éviter ou atténuer ces risques. Donc, tous les candidats sont vraiment encouragés à consulter le manuel SGS avec les détails, tous les détails qui est disponible sur le site web du Fonds d'Action BAP. En termes de budget, de financement,
Les candidats, les demandeurs doivent fournir un minimum de 5% du budget total en cofinancement. Et en parlant de cofinancement, un cofinancement n'est pas les contributions en nature. C'est différent des contributions en nature. Par exemple, la contribution des équipements, ça, ce n'est pas inclus dans le ou bien considéré comme un cofinancement. Et aussi, une autre chose, c'est que les cofinancements ne peuvent pas être faits à travers un autre projet qui est financé par l'Union européenne. Et aussi, il est très important aussi d'indiquer qu'il y a deux types de budgets. Donc, les candidats peuvent choisir entre le coût réel ou le coût simplifié. Et il y aura toute une séance qui va expliquer en détail la différence entre le coût réel et le coût simplifié. Dans les séances qui va être tenue le 22 août dans les deux semaines à venir. Les frais de gestion ou bien les coûts indirects, le maximum de ces coûts est de 7% du coût total. Et il est impossible de fournir un soutien financier à des tiers à travers les sous-subventions. En ce qui concerne les critères d'éligibilité des organisations et des candidats, les différents types d'organisations correspondent aux différents critères d'éligibilité. Donc, les organisations qui sont dans les catégories, par exemple, les organisations de la société civile locale, les ONG, les organisations sans but lucratif qui sont locales, les organisations communautaires, les petites organisations socio-professionnelles, les petites et moyennes entreprises, dont le chiffre d'affaires annuel est en dessous de 2 millions d'euros. Tous ces types d'organisations peuvent postuler au fonds d'action Bayopama uniquement en tant que co-demandeur, donc avec d'autres organisations au niveau national ou au niveau régional et au niveau international. Ils ne peuvent pas postuler en tant que demandeur principal pour le fonds d'action Bayopama. Les aires protégées ou les aires conservées, les ONG qui gèrent les aires protégées, les aires conservées par des communautés autochtones ou des communautés locales. Ces types d'organisations ne peuvent postuler en tant que demandeur principal, uniquement dans les cas où ils forment un consortium, un partenariat avec d'autres organisations au niveau national, régional ou international. Mais ils peuvent également postuler en tant que co-demandeur. Les raisons nationales ou régionales d'être protégées, les organisations de la société civile nationale, les ONG nationales, les autorités, agences, organismes, services nationaux, tous ces types d'organisations peuvent postuler en tant que demandeur principal. Les organisations d'un État membre de l'Union européenne, les organisations des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne, les organisations régionales, les organisations internationales,
Les organisations de coopération de développement économique, OCDE, peuvent postuler en tant que demandeur principal ou co-demandeur s'ils remplissent les critères qui suivent. Les propositions de projet doivent être élaborées en partenariat avec les organisations locales ou nationales. Ils doivent aussi avoir un soutien officiel des organismes nationaux ou des organismes qui sont en charge de gestion des aires protégées. Ils doivent démontrer une expérience dans les pays cibles. Donc comme je viens de le dire, donc les projets pour ce type d'organisation doit reposer sur un partenariat ou une consortium avec les organisations au niveau national ou local en tant que co-bénéficiaires. Donc, il faut avoir une division juste et sage de travail entre les membres du partenariat dans ces projets. Et les organisations externes doivent respecter celles qui sont locales. Et voici la liste des pays qui sont éligibles au fonds d'action en Afrique orientale et australe. Une chose à noter ici, c'est que l'Afrique du Sud n'est pas éligible parce qu'il n'est plus considéré comme un pays comme un pays en voie de développement, mais ils peuvent postuler pour le projet transfrontalier. Alors, quelle est la procédure à suivre pour soumettre les propositions de projet? D'abord, il est important de noter que la demande dans le cadre du Fonds d'action PAMA est un processus à une seule étape. Il n'y aura pas plusieurs étapes de soumission de propositions de projet. Donc, les candidats, les demandeurs doivent compléter la proposition de projet avant de les soumettre. Il n'y aura pas plusieurs étapes. Et aussi, il faut noter que les formulaires de demande doivent être complétés en ligne sur le site web du Fonds d'action BioPAMA. Et la raison pour laquelle on insiste que pour que les propositions soient faites en ligne, c'est qu'on veut que les informations fournies dans les propositions de projets sont enchaînées directement pour aussi contribuer à d'autres volets du programme BioPAMA. Seulement en cas de difficulté technique, par exemple en cas de panne électrique ou panne d'Internet, les candidats peuvent soumettre leur proposition par lui-même au docteur Sou à l'adresse qui est présentée ici, et ils doivent aussi copier l'équipe mondiale du Fonds d'action BioPAMA. Celles les demandes qui sont complètes, cela veut dire qui inclut aussi les annexes, qui inclut le budget
le cadre logique, les questionnaires SES seront évalués. Seulement les demandes qui sont complètes seront évaluées. Les propositions manuscrites ne seront pas acceptées. Et les candidats peuvent soumettre leurs demandes en anglais ou bien en français. Et il y a quatre critères de sélection pour les subventions moyennes. Donc on va voir la cohérence technique et la compréhension des problèmes et des solutions sur le terrain. On va aussi considérer la cohérence et la capacité organisationnelle des candidats, la durabilité des activités, leur potentiel de réplication, la complémentarité et leur synergie avec d'autres initiatives en cours et leur aspect de communication. Et c'est seulement les propositions dont le point total dépasse le C de 65 sera soumise au comité de validation du Fonds d'action d'environnement pour la décision finale. Donc, ce ne sera pas nous, les membres d'équipe régionale qui vont décider, mais ce sera le comité de validation du Fonds d'action d'environnement qui va décider. Juste pour aussi vous présenter certaines dates qui sont importantes. Donc, la date limite pour poser des questions, pour obtenir des clarifications pour les subventions moyennes, c'est le 14 septembre. Et la date limite de soumission de proposition de projet est le 21 septembre. Et les propositions de projet vont être évaluées par les experts qui forment un comité qu'on appelle le comité régional. Et ils vont évaluer les propositions de projet dans le mois de novembre et on espère communiquer les résultats de cette évaluation à la fin du mois de novembre et signer le contrat à la fin de décembre. Il y a plus de détails sur le fonds d'action Biopharma et aussi sur les subventions moyennes plus de détails sont disponibles sur le site web du fonds d'action Biopharma. Je vais aussi juste vous donner un échantillon, présenter un échantillon de questions qu'on a reçu sur les fonds d'action Biopharma et les subventions moyennes. Quelqu'un a posé cette question. Qu'est-ce qui est une étude validée par les autorités de gestion des aires protégées? La réponse est que c'est une étude validée par les autorités de gestion des aires protégées. Et toute une étude, tant qu'elle a été validée par les autorités de gestion des aires protégées. Existe-t-il une durée minimale de projet pour les subventions moyennes? Un minimum de
il y a un minimum de 12 mois, de une année. Et le budget doit évidemment être réaliste. Le projet doit avoir des impacts tangibles. Dans quelles circonstances exceptionnelles les candidats peuvent soumettre leur candidature hors ligne, ou, par exemple par email. Ça, c'est dans le cas des pannes électriques, je l'ai déjà mentionné. En cas de pannes électriques ou d'Internet, et les candidats doivent présenter une preuve pour cette panne. Si une ONG internationale est enregistrée en Afrique et dans le Pacifique, peut-il postuler pour des propositions en Afrique et dans le Pacifique? La réponse est oui, car le programme de déploiement a adopté une approche régionale. Donc, c'est des demandes par région. Quelle est la différence entre une organisation de la société civile, ONG, locale et une organisation national? Et la réponse est que cela est lié à ce qui est écrit dans leur statut juridique et leur portée géographique. Peut-il y avoir plus d'un co-demandeur par proposition? La réponse est oui. Qu'est-ce que signifie un soutien formel par les agences nationales dans les pays? Ce qu'on considère comme un soutien formel, c'est une lettre de soutien provenant des organismes étatiques ou des organismes qui sont chargés de gestion des aires protégées. Donc, un email n'est pas une preuve qui est solide du point de vue juridique. Peut-on acheter et entretenir un véhicule dans le cadre du fonds d'action Boyepama? La réponse est oui. L'achat du véhicule peut être inclus et mis dans les catégories budgétaires des matériels futurs du projet. Est-il possible de subventionner nos partenaires? La réponse est non. Les sous-subventions ne sont pas autorisées. Mais les candidats et les bénéficiaires sont encouragés à former des partenariats si ils veulent aussi appuyer les autres organisations locales. Existe-t-il une flexibilité concernant les frais de gestion maximale de 7%? La réponse est non, car le programme BioPama est régi par les règles et les règlements de la Commission européenne et le maximum qu'ils permettent est de 7%. Donc, mon message à retenir est que les projets doivent vraiment démontrer, présenter des résultats qui sont tangibles et un impact durable. Ça, vraiment, c'est très important. Les ramifications aussi du système de gestion environnementale et sociale, des projets proposés pour des fonds d'action BioPama. Leur considération est vraiment très importante et leurs ramifications seront prises au sérieux. Les activités ayant des avantages corrélatifs
au-delà de la conservation, auront la priorité. Et l'implication des parties prenantes est vraiment fondamentale. C'est très important de démontrer que lors de l'élaboration d'un projet, vous avez aussi impliqué les autres parties prenantes. La complémentarité et la synergie avec d'autres efforts de conservation, ça aussi c'est très important. Et veillez à lire les directives qui sont disponibles sur le site web du Fonds d'action Bioprama. Et vous pouvez aussi nous contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre attention. C'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour ces informations très importantes. Là, j'ai vu certaines questions dans le chat. J'ai commencé à répondre. Bon, une question récurrente, c'est est-ce que le webinaire sera disponible en ligne après aujourd'hui? Oui, on est en train d'enregistrer cela. Ça va être mis en ligne sur le site de Bioprama et vous pourrez y accéder à tout moment pour re-suivre les informations qui ont été données avec les slides et tout. J'ai également partagé avec vous dans le chat le lien qui mène vers la foire aux questions qui est mise à jour régulièrement. Mais je vous prie de noter, s'il vous plaît, ce que Jean-Paul avait dit, qu'au-delà du 14 septembre, les points focaux, donc le Dr. Sussnaiman, Jean-Paul et moi-même, nous ne serons plus habilités à répondre à vos questions. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, posez-les avant ce délai. Une autre question que j'ai vue, c'est si un demandeur principal sur une proposition peut être co-demandeur sur une autre proposition. Oui, il n'y a pas de problème à cela. Jean-Paul l'a mentionné tout à l'heure. Et puis, un point que je voulais... Il y a une autre question qui concerne les organisations éligibles. Ça, je vais repasser à Jean-Paul pour qu'il puisse faire une petite récapitulation des organisations éligibles. Mais je souhaite rappeler que l'appel à proposition qui est ouvert présentement concerne les subventions moyennes. Donc, les subventions entre 100 000 et 400 000 euros. Et si vous vous rappelez du début de la présentation de Jean-Paul, il y a deux autres types de subventions, les subventions techniques rapides et les petites subventions qui ne sont pas encore ouvertes. Donc, il faut bien faire attention et veiller. Si votre institution n'est pas éligible pour les subventions moyennes, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas du tout éligible sur le Fonds d'action de Bioprama. Il y a également d'autres appels, deux ou trois, qui seront encore ouverts sur Bioprama et qui va concerner des enveloppes un peu plus petites, jusqu'à 50 000 euros et entre 50 000 et 100 000 euros. Donc, s'il vous plaît, il faut faire attention pour savoir dans quelle catégorie d'appel qu'il faut que vous postuliez. Donc, Jean-Paul, je te repasse la parole pour des précisions sur les types d'organisations éligibles pour les subventions moyennes. Merci, Tania. Je peux peut-être aller en arrière. Là où j'ai présenté le tableau de type d'organisation. Donc, les types d'organisations qui sont éligibles, c'est toute organisation. À partir des organisations, des petites organisations vraiment au niveau local, jusqu'aux grandes organisations au niveau international. Donc, à partir des organisations communautaires, les ONG locales, et au niveau national, les entreprises, les ONG qui ont des activités au niveau régional et aussi au niveau international. Tous ces types d'organisations sont éligibles. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'il y a
de différentes conditions d'éligibilité. Comme j'ai dit, les organisations locales peuvent postuler in quema attaque co-demandeur, c'est-à-dire avec d'autres organisations au niveau national ou au niveau régional. Ils ne peuvent pas soumettre les propositions de projet en tant que demandeur principal ou bien sans les autres partenaires. Ça, c'est pour les organisations locales. Et pour les organisations au niveau national, les réseaux nationaux, les régions protégées, les ONG nationales, les autorités ou autres organismes qui gèrent les aires protégées, ils peuvent postuler en tant que demandeur principal ou aussi en tant que co-demandeur. Et les organisations internationales ou régionales, pour ce type d'organisation, ils ont des critères un peu particuliers parce qu'ils doivent démontrer qu'ils ont une expérience de mise en œuvre des projets dans les pays-ci. Ils doivent aussi démontrer qu'ils ont un soutien à partir des organismes en charge, donc qui gèrent les aires protégées ou bien les sites cibles de leur projet. Et c'est obligatoire de former et d'élaborer, de développer des propositions de projet en partenariat avec les autres organisations. Mais j'espère que c'est clair ce que je viens d'expliquer encore. Ok, merci Jean-Paul. Alors, je vois d'autres questions qui apparaissent. Est-ce que le présentateur peut revenir sur les questions les pays éligibles en Afrique de l'Ouest? Oui, c'est disponible sur le site web que je vous ai copié ici, dans le chat. Si vous scroll down jusqu'en bas de cette page-là, vous allez voir les 6 régions qui sont financées pour le fonds d'action. Vous cliquez sur la région qui vous intéresse et ça va vous sortir un fichier Excel avec les pays qui sont éligibles pour la région que vous avez choisie. Mais déjà pour l'Afrique de l'Ouest, il y a 16 pays qui sont éligibles, donc y compris la Mauritanie. Je vous invite donc à ouvrir le lien pour avoir la liste complète de ces pays. Est-ce qu'on peut obtenir l'application en version Word? Non, on ne peut pas, parce que justement, je crois que Jean-Paul l'a expliqué, c'est pour des raisons de faciliter les flots de données vers le système d'information de référence. Mais le template de l'application est disponible dans l'annexe 6 du manuel opérationnel. Je vais vous passer le lien pour le manuel opérationnel dans le chat dans quelques instants. Un demandeur principal peut-il soumettre plusieurs propositions si les propositions concernent différentes zones prioritaires? Jean-Paul, je passe à toi pour cette réponse. Pour cette question, le maximum de propositions pour chaque région est des propositions. Donc, si un candidat veut soumettre une proposition de projet pour la région de l'Afrique centrale, le maximum est des propositions. Et aussi, s'ils veulent aussi soumettre la proposition de projet pour l'Afrique de l'Ouest, ça sera aussi des propositions au maximum. Merci. Merci Jean-Paul.
Il y a un nouveau message. Est-ce qu'il y a déjà une liste de zones prioritaires préétablie pour chaque pays ou chaque zone? Jean-Paul? Oui, 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 comme j'ai indiqué dans la présentation, il y a des priorités spécifiques pour chaque pays. Donc, sur les liens que vous venez juste de partager, action.biopama, donc, et vous filez en bas, là où il y a les cartes, et cliquez sur les cartes, vous allez trouver un document en Excel qui a des priorités dans chaque pays. Et donc, même les sites sont aussi là. Merci. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Mais de toutes les façons, je vous ai partagé un lien pour la foire aux questions dans le chat. Donc, je vous invite vraiment à consulter cette rubrique qui a une quantité d'informations supplémentaires que d'autres personnes ont proposées et qui pourraient peut-être vous intéresser également et qui est assez interactif. Donc, vous pouvez toujours introduire une requête qui pourra contribuer à alimenter cette rubrique de foire aux questions. Donc, présentement, je ne vois pas d'autres questions. Donc, s'il n'y en a pas, je vais passer à Sou pour dire peut-être deux mots avant la fin. Sou? Sorry, were you asking me something? Oh, sorry, Sue. Would you like to say a few words before the end? I just heard Sue. I didn't understand the rate. I see there's a hand up. Let's just see one. I think there's one last question, and then I will. John, would you like to? You need to unmute. En anglais, on le voit. Bonjour. Juste, je voulais demander pour le formulaire à télécharger. Je l'ai cherché sur le web. Je ne sais pas si ce formulaire sera disponibilisé par mail pour les organisations. Je ne sais pas comment. Non, en fait, bonjour John, comment tu vas? Bonjour. On ne peut pas télécharger le formulaire qui est en ligne, parce que les applications sont faites exclusivement en ligne. Par contre, je vous ai envoyé dans le chat le manuel opérationnel. Vous allez chercher dans l'annexe 6, vous allez trouver le modèle du formulaire d'application. Donc, vous pouvez vous en inspirer si vous avez besoin de travailler offline, mais pour soumettre l'application, ça doit être fait obligatoirement en ligne. Sauf dans les cas très, très, très spéciaux que Jean-Paul a mentionné, s'il y a coupure d'électricité ou d'Internet dans un pays, dans un quartier, une zone qui peut être documentée à ce moment-là. Si le projet concerne l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez me l'envoyer à moi par mail. Si ça concerne l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est, vous pouvez envoyer ça à Sousnaiman par mail. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, voilà, je remercie tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci à Sou, merci à tout le monde qui a pris part à ce webinaire. Donc, nous nous donnons rendez-vous le 22 août pour des questions plus spécifiques par rapport au budget et au log frame. Et d'ici là, je vous invite à consulter la foire aux questions assez régulièrement. Merci tout le monde et au revoir. Merci. Thank you very much, Tania. Thanks, Jean-Paul. And thank you all for joining. All the best with your applications. Au revoir, tout le monde. Merci. C'est bon.